prière de consolation à Jésus-Christ agonisant. Dictée à Barnabanois 23 juin 1997. Mise en garde par Barnabanois et par son évêque Monseigneur Atoyebi concernant la diffusion de livres ou sur Internet de contrefaçons et versions incomplètes des prières de la dévotion au précieux sang de Jésus. Contrefaçons comportant des erreurs ou semant le trouble. Ces mauvaises versions sont facilement reconnaissables car elles ne comportent pas la préface de M.G.R. Atoyebi ni d'autres aspects fondamentaux de la dévotion comme le sceau de Dieu et d'autres prières. De nombreuses phrases sont déformées par les nouvelles maisons d'édition, ce qui éloigne ces textes de ceux que Barnabanois a reçus de notre Seigneur Jésus. Barnabas demande donc de s'en séparer afin de ne pas faire le jeu du démon. Seule la version comportant l'imprimature a l'autorisation d'être publiée. Celle-ci notamment est publiée par la maison d'édition L'Appel du Ciel. Prions. Consolons notre Seigneur, consolons Jésus-Christ notre Sauveur. Première prière. Père éternel, avant d'envoyer dans le monde votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le but de nous sauver et d'instaurer un nouveau paradis terrestre par son très précieux sang, vous avez dit par amour, qui enverrai-je? Qui ira sauver mon peuple? Le silence régnait sur la cour céleste et votre Fils a répondu, Maître voici, Père, envoyez-moi. Que honneur et adoration vous soient rendus, ô divin amour. Ô Jésus-Christ agonisant, acceptez d'être consolé. La récompense que vous avez reçue de votre peuple pour votre bonté envers lui, a été le péché. Jour et nuit, il a péché contre vous et blasphémé votre saint nom. Il a lutté contre vous et enfreint vos commandements. Père éternel, soyez réconforté par la voix de vos cœurs célestes. Puisse la voix de vos dominations vous consoler. Amen. Récitez un Notre Père plus un Je vous salue plus une gloire au Père. Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement. Maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ agonisant, supportez cela, Seigneur. Jésus-Christ agonisant, nous vous aimons. Cœur agonisant de Jésus-Christ, que votre règne arrive. Deuxième prière. Père éternel, vous avez préparé pour votre Fils unique Jésus-Christ, un saint tabernacle, les entrailles de la bienheureuse Vierge Marie. Béni soit le Saint qui a porté le Fils unique de Dieu. Père éternel, votre Fils est né à Bethléem et a été déposé, dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place à l'auberge pour lui et ses parents. Il en a été ainsi afin que le monde recherche le royaume des cieux plutôt que les richesses périssables de ce monde. Père éternel, cela montre que votre propre peuple n'était pas prêt à recevoir son roi, son créateur et son rédempteur. Il n'y avait pas de place pour le roi du ciel et de la terre dans son propre pays. Seigneur, vous êtes venu chez votre peuple et il ne vous a pas reconnu comme roi. Vous êtes venu dans votre propre pays et il ne vous connaissait pas. Quand ils ont entendu parler de vous, ils se mirent à planifier votre mort. En voulant exécuter ce projet, ils ont massacré de nombreux enfants.
Des pleurs amers et des lamentations retentissaient à travers votre propre pays en guise d'accueil pour le roi. Les femmes refusaient d'être consolées parce que leurs enfants étaient morts, confirme 2,18. Jésus, vous avez supporté tout cela par amour pour votre peuple. Mais le peuple a continué à pécher et à faire toutes sortes de choses mauvaises contre vous et votre Père céleste. Au lieu de roi, il vous a considéré comme un ennemi. Quoique vous étiez son rédempteur, votre propre peuple que vous avez sauvé a vu en vous un prédateur contre lui. Qui, se souvenant de votre miséricorde et de votre bonté pour votre peuple, saura vous consoler suffisamment? Laissez-vous consoler. Soyez réconfortés, ô Jésus-Christ très aimant. Puisse la voix de vos cœurs célestes des anges et des archanges vous louer et vous consoler. Amen. Récitez un Notre Père plus un Je vous salue plus une gloire au Père. Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement. Maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ agonisant, supportez cela, Seigneur. Jésus-Christ agonisant, nous vous aimons. Cœur agonisant de Jésus-Christ, que votre règne arrive. Troisième prière. Ô Jésus-Christ très aimant, vous qui êtes venu dans le monde pour racheter votre peuple du péché, ô vous, le véritable pasteur qui avez été maltraité et rejeté par vos ailes. Vous êtes venu et avez vu votre peuple souiller la maison de votre Père. Votre sainte colère a causé leur expulsion du Saint-Temple. Et aujourd'hui, les hommes vivent de plus en plus selon la chair et perdent le sens du sacré en étant insouciants de votre présence dans le Saint-Tabernacle. Nous venons vous consoler pour les péchés que les hommes commettent contre vous dans le Saint-Tabernacle, pour la froideur et l'indifférence qu'ils manifestent en votre sainte présence, pour ceux qui vous reçoivent et n'en sont pas dignes et pour tous les actes irrespectueux qu'ils commettent contre vous. Pardon et miséricorde, ô Jésus-Christ très aimant. Même si les hommes vous crucifient sans arrêt, dans votre grande miséricorde, supportez tous ces affronts de vos créatures bien-aimées. Ô Jésus-Christ miséricordieux, acceptez notre consolation, nous vous en prions, et ayez pitié de votre peuple. Puisse la voix du cœur céleste des vertus vous consoler. Amen. Récitez un Notre Père, un Je vous salue, une gloire au Père. Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement. Maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ agonisant, supportez cela, Seigneur. Jésus-Christ agonisant, nous vous aimons.
Cœur agonisant de Jésus-Christ, que votre règne arrive. Cœur agonisant de Jésus-Christ, vous avez souffert pour nous racheter, que votre volonté soit faite. Quatrième prière. Ô Jésus-Christ très aimant et miséricordieux, au jardin de Gethsémani, vous avez souffert profondément et vous avez été saisi de peur. Vous avez prononcé ces paroles, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Nous voulons consoler votre cœur sacré si broyé de douleur. Pour nous réconcilier avec Dieu, vous avez supporté la flagellation au pilier et le couronnement d'épines. Et malgré tout cela, beaucoup d'âmes innocentes sont avortées chaque jour et leurs cris déchirent votre cœur sacré. Pardonnez aux hommes toutes leurs offenses, nous vous en prions. Puisse la voix des cœurs célestes des chérubins et des séraphins vous consoler et la mise en marche de l'évangélisation de ce monde vous réconforter. Amen. Récitez un Notre Père plus un Je vous salue plus une gloire au Père. Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ agonisant, supportez cela, Seigneur. Jésus-Christ agonisant, nous vous aimons. Cœur agonisant de Jésus-Christ, que votre règne arrive. Jésus caché dans l'Eucharistie, nous regrettons tous les péchés commis contre vous sur terre. Cinquième prière. Ô Jésus-Christ très béoène et miséricordieux qui vous êtes offert comme agneau sacrificiel pour le salut de l'humanité, nous voulons vous consoler. Humblement, vous vous êtes livré aux soldats juifs qui vous ont traîné comme un malfaiteur, vous, si miséricordieux pour les hommes sans pitié, ô Dieu plein de bonté, pour être jugé par les hommes. Nous voulons vous consoler, ô Jésus-Christ agonisant, pour toutes les injures qui vous sont faites dans les tribunaux du monde. Nous voulons vous consoler pour tous ces cruels tourments que votre peuple vous a fait supporter. Puissiez-vous être adoré maintenant et toujours. Amen. V. Adorons les plaies de votre corps sacré. R. Laissez-vous consoler, ô très saint cœur qui supportez toutes ces douleurs. V. Adorons votre visage sacré qui supporte la scandaleuse couronne d'épines. R. Nous voulons vous consoler, ô très saint cœur qui supportez toutes ces douleurs. V. Adorons les deux cœurs d'amour qui se sont rencontrés sur le chemin du calvaire. R. Acceptez nos consolations, au cœur uni de la Mère et du Fils. Nous vous offrons notre consolation pour toute l'angoisse et la profonde tristesse que vous avez éprouvée sur le chemin du calvaire. V. Adorons votre très précieux sang répandu dans les ruelles de Jérusalem. R. Gloire, honneur et adoration vous soient rendus, à vous qui avez humblement accepté la croix de mon salut. Couché sur la croix, les soldats vous ont étiré et ils ont cloué vos mains et vos pieds. Honneur et adoration soient rendus à vos saintes plaies et votre très précieux sang et à l'eau qui en ont coulé. Nous vous en prions, supportez encore ces terribles douleurs et ces affreux tourments que vous avez sur la croix. V. Adorons votre sainte mort, agneau sans tache. R. Régnez éternellement au très précieux sang et au jaillis de votre côté sacré. Ô Jésus-Christ agonisant, que votre règne arrive. Amen.
Récitez un Notre Père plus un Je vous salue plus une gloire au Père. Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement. Maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ agonisant, supportez cela, Seigneur. Jésus-Christ agonisant, nous vous aimons. Cœur agonisant de Jésus-Christ, que votre règne arrive. Jésus-Christ crucifié sur la croix, chaque goutte de votre précieux sang a une valeur infinie, afin que tous nous méditions sur vos à répéter trois fois. Jésus-Christ agonisant, Fils unique du Père, Créateur et Rédempteur du monde. Pardonnez et ayez pitié du monde entier. Cœur agonisant de Jésus-Christ, daignez recevoir nos consolations. Amen. Jésus-Christ agonisant, Fils unique du Père, Créateur et Rédempteur du monde. Pardonnez et ayez pitié du monde entier. Cœur agonisant de Jésus-Christ, daignez recevoir nos consolations. Amen. Jésus-Christ agonisant, Fils unique du Père, Créateur et Rédempteur du monde. Pardonnez et ayez pitié du monde entier. Cœur agonisant de Jésus-Christ, daignez recevoir nos consolations. Amen.